Hello, my name is Renaud Zaconte, and I'm going to present today a quick and easy dessert completed in very little time. You can do this dessert in really about 20 minutes. This recipe is called a thin apple tart. So first thing first, heat the oven. We're going to heat it at about 350 to 400 degrees Fahrenheit. Now once the oven is heating, we can then start the preparation of our tart. So I'm going to begin by heating my oven. There we go. Next, the oven's heating. Now the ingredients. Of course, apples. Golden apples are preferable for this tart. And I'm using about three apples. I count one apple for each person. You can easily add more or less apples to make a bigger tart or to make smaller individual tarts. Individual tarts are nice. Everyone has their own tart. And you can decide. Next, second ingredient, pastry crust. Found in most supermarkets. Phyllo dough, pie crust works perfectly. Pre-made is fine. And pour ma part, je me permets I like using cinnamon. Un petit peu de cannelle qui donne un petit goût agréable. It gives the tart a good flavor. Donc, pour ce faire, on va commencer tout we are going to start simply by peeling the apples. On prend un économe. We'll take our peeler and we're going to take out the core. C'est de retirer le pédoncule de la pomme. And next, ensuite, we're going on commence begin tout simplement à tourner autour de la pomme from sur both les deux côtés. Et ensuite, next, on va longer l'arrondi du fruit. Along the apple. Alors, now, cette phase est assez importante. Peeling, il faut essayer vraiment de longer l'arrondi du fruit de manière à avoir une pomme bien ronde. Et vous verrez and tout à l'heure l'importance de l'épluchage. Ma première so my first apple is peeled. Je fais I'll do la the same thing with the second. Deuxième. There we go. Voilà. And on termine we'll finish with the third. There we go. Voilà. Next, alors, pour continuer, to continue, on va we're going to cut our apples in half en demi, de manière à pouvoir enlever so that we can take out the seeds. Toujours, always cette phase aussi preserving the roundness of the apple. Avec l'économe, so with on va our peeler, planter we'll stick the peeler into the core of the apple et on a juste à and go un around in a circle to take out the seeds. Et on a and une so pomme we have a clean, peeled, propre, beautiful apple. So we're going to do the same thing with pommes, each half of our apples. There voilà. We go. There we go. Voilà. Alors, so on va we're going to set the apples aside. Et donc maintenant, now, on va commencer slice à the trancher nos pommes en très fines very lamelles. Donc thinly. Vous prenez votre demi-pomme et and avec votre knife, couteau, vous allez commencer à slicing tailler the apples very, des lamelles very thin. De même épaisseur, le plus fin possible. Thinly as possible. Et c'est pourquoi hence la tarte the name, s'appelle la tarte thin apple tart. Now, alors, be careful attention with à your vos fingers. Doigts surtout. Voilà. There we go. Et on réitère we're la même opération sur nos 6 demi-pommes. Apples.
Now, attention quand même, be careful to not cut yourself. You can take as much time as you want cutting. Et l'important thing étant de faire des lamelles cut uniformly and thinly. D'épaisseur à peu près semblable. Alors now, pourquoi c'est important? De manière à ce que la cuisson n'y ait pas baking, une partie de votre tarte qui soit un petit peu trop desséchée, voire même brûlée, à cause de la finesse de votre tranche, et une autre partie qui ne serait pas cuite totalement parce que serait trop épaisse. Donc, il faut absolument essayer de respecter la même épaisseur de manière à avoir une cuisson homogène sur la totalité de la surface de votre tarte. Voilà, on arrive donc à la fin de la sixième demi-pomme. There we go. Voilà. Alors so, maintenant, now, on va the pastry crust. Ouvrir we'll open notre the pastry crust. On va make se a faire little un petit peu de place devant soi. Unroll it. On va étaler délicatement. And very carefully. Dérouler. Open it up. Unroll it. Notre feuilletage. Et on va and we're going to lightly poke the pastry crust with the knife. Alors now, pourquoi why poke it? De manière this prevents à ce que, tout the dough from swelling or rising too much. Cuisson, et si elle était amenée à gonfler, elle risquerait de déformer légèrement notre tarte. Which would be too bad because we're going to have something very beautiful. Propre, uniforme. Voilà, on l'a so we poked it. Next, we'll flip it over. On va retourner son disque de feuilletage. Pour qu'il y ait une cuisson homogène, so les trous doivent se trouver evenly. En fait sur la feuille de papier, comme ceci. Maintenant, on va commencer à dresser notre tarte. Alors, so, on prend nos pommes we'll take the apples, et on va faire en sorte que l'arrondi de nos pommes se positionne exactement sur l'arrondi de la pâte. Et on va chevaucher nos lamelles de pommes en suivant circle, l'arrondi de notre pâte en laissant à peu près la même and make sure to leave la même same place entre distance chaque quartier. Between et comme each je vous l'ai dit tout slice à l'heure, c'est surtout now, pour une is, question de présentation et une question so de cuisson. They all bake at the same rate. Alors vous voyez, so ça va see, relativement rapidement. We go along very easy. Voilà, on va tourner we'll turn it a little, makes it easier. Pour se faciliter la tâche. Et on and continue. We'll continue. Alors, now, si vous avez des if you have pommes, small pieces of apples left over, homogènes, such eh bien, as the ends of the apple, don't fait, worry, keep them for the end. Les bords des pommes, vous les gardez you'll see et vous that verrez, nothing on will va be en wasted. Avoir une utilité tout à l'heure. Rien ne se perd. On continue. We'll continue. Vous voyez, on a so quelque as you chose can see, we have, de sympathique we have au niveau a visuel. Very beautiful, presentation already. On commence a rosace, à faire en fait une rosace, rose, simplement. Very easy. Et on suit bien l'arrondi des pommes. Et là, on and dit we're following feuilletage. Not only the circle ça, of the crust, but also the roundness of the apples. Soit trop cuire, soit brûler. On chevauche so bien overlap, sur make sure la that they come together well. Et on a so we have une belle rosace, beautiful beginning uniforme, of a rose. Toute propre. Et maintenant, now, on va continuer we'll continue, à l'intérieur, en chevauchant légèrement, continue overlapping mais the apples, but this on va partir time, we are going dans to change le sens opposé the de notre première rosace. Of the apple slices, the way they overlap. Alors pourquoi now, dans le sens opposé? De manière well, à avoir this gives the tart au niveau a unique présentation quelque chose we have something that'll qui ressort. Jump out notre rosace, when you place your tart on the table. La cuisson va ressortir beaucoup plus que si on now, avait if we just fait quelque chose put the apple si slices on posé nos pommes we exactement wanted, dans le même it wouldn't sens. Be as pretty. Donc on chevauche légèrement toujours, so, toujours avec le même again, espacement. Same distance between the apple slices. Voilà. Alors vous as voyez, you can see, une recette it's vraiment really rapide. An easy recipe. Et on va reprendre la troisième rosace, de nouveau en sens contraire. The third layer.
There we voilà. go. Voilà. On va rajouter we'll add another bien uniforme. Slice here and there. Alors. So. Voilà. Alors, les petits bouts dont je vous avais parlé tout à l'heure, on va bien les mettre au we'll put those in the middle. Voilà. And next, we'll just hide them with larger apple slices. 5-6 lamelles de pommes au centre. Right in the middle. Just like that. Alors, on va finir nos petits bouts. Voilà. Donc, so, notre tarte aux pommes. The tart is ready. Il ne nous reste plus qu'à saupoudrer légèrement de cannelle. Pour ceux qui aimeraient, now, qui aimeraient bien who like a sugary les tartes tart, bien sucrées, you on peut can tout totally à fait saupoudrer sugar, légèrement de sucre. But mais golden apples are sweet already, so déjà. I'm ça not going to add any sugar. L'essentiel est d'avoir un produit naturel, une tarte très simple. I like a very simple natural tart. Rapidement réalisable. Voilà. On a donc saupoudré avec so, notre cannelle. So, we sprinkled with cinnamon. Et and now, il ne nous all we have plus to do is put the tart in the oven, which is now tout hot. À fait chaud. So I'll valise, take my tray, slide the tart right onto the tray, et je vais and I'm going to cook the tart à peu près for quart about 15 minutes degrés. At 350-400 degrees Fahrenheit. Now checking regularly que la pâte cuise that it's cooking evenly, that it's browning mais and not burning. La cuisson se fait rapidement et a priori, but it cooks very il quickly. A pas de risque. Hein, on peut la laisser tranquillement dans son four. Donc on va l'enfourner dans le four, on va la laisser cuire. Et tout we'll à l'heure, every now on and va then, revenir voir and we'll notre tarte see it in 15 minutes, well baked. Merci. Voilà, so, notre tarte est en cuisson. Our tart is in the oven, baking. Et nous allons vérifier pendant and ce we're petit quart d'heure de temps en temps. On va jeter un these 15 minutes to make sure the tart et is nous verrons cooking dans evenly. Un petit quart d'heure le résultat so I'll see you de in a little bit. Succulente tarte. So, alors, our on vient tart de sortir is baked. Notre tarte fine du four. Elle a cuit tart cooked 17 about 17 minutes. On constate que now, le feuilletage a bien gonflé, a bien doré, brown, que les pommes, well cooked, effectivement, elles sont and cuites the apples et sont are also brown. Il ne nous reste plus now, qu'à la glisser all you have to do is délicatement slide the tart carefully sur un plat onto a de plate, présentation. Just voilà. Like that. Comme ceci. On peut la déguster you can serve your tart d'une with glace vanille, vanilla ice cream or cinnamon ice cream flambéed with calvados. À vous de voir. Or simply by itself. Plaisir, vous verrez. It's a very on peut aussi simple tout à fait tart. La déguster tout simplement, sans rien du tout. C'est une tarte fine qui se mange vraiment it's, facilement après un it's repas perfect after plus ou moins a copieux. Large il n'y a meal. Aucun souci. Vous avez vu, 17 minutes de cuisson. 17 à peu près minutes, 5 so it's minutes very de quick réalisation. And easy. Un dessert vraiment très rapide à faire you can do this while the dinner is baking. Eh bien, il me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit. So, I wish you a bon appétit et au revoir.